Welcome back, la famille Airbnb. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Sébastien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment négocier et comment récupérer un appartement en sous-location. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo, à laisser un gros pouce bleu, et je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne, tout simplement en t'abonnant tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner, et eh bien je t'invite à cliquer pour du coup être notifié des prochaines vidéos que je vais publier sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la conciergerie Airbnb, et également tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle et immobilière autour d'Airbnb. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus trois formations totalement gratuites la première c'est sur comment se lancer sur Airbnb et comment générer du cash flow automatiser ses locations en courte durée sur Airbnb une formation gratuite offerte à découvrir en bas de cette vidéo la deuxième formation que je vais t'offrir gratuite c'est une formation de 2h30 sur comment lancer ta conciergerie Airbnb. Et enfin, la troisième formation totalement gratuite, c'est sur la sous-location professionnelle et immobilière. Donc, la sous-location, c'est quoi C'est un moyen qui te permet bien, de louer des appartements à des propriétaires et derrière de les mettre sur Airbnb et du coup de faire du cash flow grâce à ça. Donc, ça, c'est pareil. Je t'ai préparé une formation gratuite de 2h30 à découvrir tout en bas de cette vidéo. Voilà, donc on referme l'introduction et je, je vais te parler aujourd'hui de comment j'ai négocié sur ma dernière sous-location. Comment j'ai négocié, eh bien, avec le propriétaire pour récupérer cette sous-location? Donc ça fait partie des, des modules et des choses que je parle dans ma formation et différentes techniques que j'utilise pour faire ça. Alors bien entendu, les techniques évoluent, euh, il y a des choses nouvelles sur lesquelles voilà, j'essaie de, de te faire aller, mais dans cette, dans cette vidéo, je vais, voilà, vais t'expliquer, je vais prendre un cas concret de ce qui s'est passé pour moi euh, sur ma dernière sous-location pour t'expliquer que même quand les choses paraissent perdues, eh bien finalement, il peut y avoir un retour derrière et je vais t'expliquer comment je m'y suis pris. Donc en fait, c'était tout simple. Donc j'ai lancé mes prospections euh, comme je fais habituellement. Hein, donc euh, tout ça, j'en parle dans, soit sur ma chaîne YouTube ou à travers donc, euh, eh bien, mon programme de formation où j'explique comment. Bah, du coup, j'ai fait le même scénario hein, donc, pour chercher un appartement. Et puis là, du coup, je suis tombé sur une, une très très belle maison, euh, très très sympa, à plein centre-ville, etc. Donc vraiment un truc, un truc chouette. Et donc là, du coup, bah, je fais comme d'habitude, je contacte la propriétaire. Euh, donc, je lui demande s'il y a possibilité de louer son appartement. Donc, elle n'est pas, euh, on va dire, elle est pas soit défensive. Au contraire, elle est plutôt, euh, plutôt motivée. Et là, ce qui se passe, c'est eh bien, c'est que du coup, donc, je lui explique euh, ce que je vais faire dedans, etc. Et euh, toujours pareil, toujours en mode positive, euh, etc. Et, euh, et voilà. Euh, ce qui se passe, c'est que cette personne là eh n'est pas toujours dans la ville en question elle demeure sur paris et donc du coup elle n'est pas toujours euh, disponible et donc elle ne peut pas forcément se rendre au rendez vous etc donc elle avait organisé une première journée de rendez vous avec pas mal de, de locataires pas mal de personnes qui euh, donc souhaitaient louer euh, sa maison et puis bah, moi je, je n'étais pas là. Euh, je n'avais pas été convié à cette, euh, à cette présentation. Donc, ce n'était pas très grave, mais j'étais toujours en contact avec elle. Et moi, je, voilà, je, je la, je, du coup, je, je la relance et je lui dis bah, voilà, où est-ce qu'on en est, etc. Donc là, elle me dit, bah, écoutez, on a eu euh, trois dossiers qu'on euh, qu a, voilà, qu qu a retenus, qui présentent un bon potentiel, euh, euh, qui pour nous sont des dossiers favorables. Donc, euh, voilà, ça ne sert à rien de vous faire perdre du temps. Euh, écoutez, on, voilà, on vous dit non. Enfin, euh, voilà, ça ne sert à rien de, de vous déplacer et de venir voir la maison. Euh, comment dirais-je, nous derrière, on a déjà fait un premier filtre, ça nous paraît ok, donc, euh, donc voilà. Donc là, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, forcément, je, je me dis, bon, bah, c'est loupé, mais je me dis, il y a toujours une. Euh, voilà, je la sentais depuis le départ quand même dans une phase euh, euh, plutôt euh, compréhensive et plutôt ouverte à. à, à voilà, euh, tu vois, euh, comment dirais-je, j'étais quelqu'un d'assez ouvert, donc je me suis dit, finalement, je vais quand même balancer quand même un. Tu vois, un, un, je, je vais balancer quelque chose qui va peut-être changer la donne. Et là, je lui réponds, j'ai écouté, il n'y a aucun problème, euh, j'en prends bonne note, merci. En tout cas, si vous changez d'avis, dans tous les cas, euh, donc là je lui dis deux choses. Je lui dis un, sachez que moi j'étais prêt à louer tout de suite, à prendre la maison tout de suite, premièrement. Et deuxièmement, je lui dis, et en plus de ça, j'étais prêt à mettre deux mois de d'épôt de garantie. Je termine mon message, bonne journée, cordialement, je signe, c'est terminé. Et puis là, il s'écoule euh, une semaine. Et là, il me recontacte. Euh, et là elle me dit bah écoutez euh, est-ce que vous êtes toujours intéressé par euh, par la maison est-ce que pour vous vous pouvez la prendre rapidement est-ce que c'est OK pour vous donc là bien évidemment je lui dis oui bien sûr par contre il faut quand même que j'aille la voir parce que je suis toujours pas venu la voir donc là je vous dis oui comme ça de principe mais j'ai quand même besoin de vérifier j'ai quand même besoin de faire une première une première visite euh, donc là, du coup, c'était ses parents qui sont venus m'ouvrir la maison, qui habitaient dans, dans le secteur, qui sont venus. Donc du coup, je me suis déplacé, j'ai visité. Donc là, du coup, face à face, j'ai pu discuter avec la famille. J'ai pu expliquer euh, ce que je faisais, euh, donc mon activité, etc. Et euh, bah, toujours, voilà, comme j'explique dans ma formation, toujours se présenter en mode chef d'entreprise, en, euh, voilà, en mode professionnel. Tu hein. tu vas, euh, vas pas avec en, bah, en basket. Donc voilà, du coup, je me présente comme ça. Et euh, donc, je réexplique un petit peu ce que je fais, etc. J'ai écouté, j'ai Pour moi, c'est OK ». On démarre quand vous voulez. Pour moi, c'est ok. Et là, du coup, euh, elle me recontacte. Donc, elle me dit, bah écoutez, euh, donc euh, c'est d'accord. Enfin, pour nous, ça, ça paraît, euh, ça paraît bon. Et là, en fait, elle commence à m'expliquer que. Bah, elle avait toujours ces trois autres dossiers euh, toujours en parallèle mais que euh, voilà elle avait des doutes sur les dossiers il y avait une personne à souhaitait finalement le prendre que dans un mois finalement elle avait changé un petit peu la deuxième personne euh, il y avait un problème par rapport à finalement à, tu vois, au moment où c'était bon finalement il y a quelque chose qui avait changé derrière bref sur les trois dossiers elle me disait qu'il y avait des petites choses qui, qui, qui lui déplaisaient et puis j'ai senti si tu veux dans la discussion et c'est ça que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'à a commencé à me livrer des des, des comment dirais-je, des sources à argumentation. C'est-à-dire que, bah, finalement, à force de la laisser parler, elle a commencé à me dire que, voilà, pour elle, le souci, c'était vraiment que, bah, derrière, euh, elle avait des gens sérieux, euh, que c'était sa maison, c'est-à-dire elle derrière, allait vivre dedans dans, dans quelques années. Ils avaient pour projet de vivre dans cette maison dans, dans 4-5 ans, euh, de la récupérer, finalement. Et donc, du coup, euh, elle, pour elle, son objectif, c'était vraiment que la maison soit bien entretenue, qu'elle ne trouve pas avec un locataire qui fasse n'importe quoi dedans, et puis aussi, surtout, qu'elle soit bien payée. Et donc, si tu veux... Là, euh, c'est ce que j'explique hein, dans d'autres dans vidéos, dans ma formation, c'est que c'est très important de laisser parler ton interlocuteur pour récupérer un maximum d'informations et voir sur quel sujet finalement il est euh, sensible. Et donc là j'ai senti que c'était sur la bonne tenue de l'appartement et enfin de la maison et sur le règlement des loyers. Donc là je l'ai rassuré, j'ai écouté nous on est une entreprise. Et d'ailleurs quand je suis allé au rendez-vous si tu veux que j'avais vu donc euh, sa famille, j'ai senti que c'était le truc qui les avait plus à le côté entreprise, le côté professionnel, donc le côté si tu veux sérieux, le côté euh, il n'y aura pas de fiesta dans la maison. En gros, c'est ça que ça veut dire pour schématiser quoi. Pour résumer. Et j'ai senti que c'était ça qui faisait mouche. Donc bien entendu, quand moi je l'ai eu au téléphone, quand j'ai discuté avec elle, je lui ai remis tout ça, je lui ai réexpliqué. j'ai écouté, nous, ça sera une clientèle que d'entreprise, effectivement, la semaine. Par contre, effectivement, le week-end, il risque d'y avoir eh bien une clientèle plutôt touristique. Mais ça n'empêche pas que euh, derrière, c'est euh, voilà, nous derrière, on gère les appartements. J'ai euh, une femme de ménage qui va venir régulièrement. On fait des vérifications, on prend des cautions, des assurances, etc., etc., etc. Bon, tout ça, euh, je pas l'objectif de cette vidéo, c'est pas de reparler de tout ça, mais c'est pour te faire comprendre la stratégie. Donc la stratégie, c'est du coup, je suis allé sur, bah, je l'ai laissé parler, je lui ai laissé euh, voir sur quelle, euh, si tu veux, où est-ce qu'elle était sensible, par rapport à quoi elle était sensible sur sa maison. Et après, forcément, moi, j'ai argumenté et je, je n'ai parlé que de ça tout le temps que de ça. Et ce qui a fait mouche, c'est que je pouvais le prendre rapidement et qu'en même temps, je pouvais verser deux mois de dépôt de garantie. Donc du coup, bah, j'ai senti que c'était euh, quasiment ok, enfin euh, que c'était même ok. Au bout d'un moment, hein. donc euh, elle me dit "Bah nous, euh, ça va être bon." Donc là, du coup, j'ai senti que si tu veux, je reprenais la main, c'est-à-dire que chantait bah, qu'elle a plus trop d'alternatives, qu'elle est plus que moi, parce que les autres dossiers finalement lui lui convenaient pas vraiment. Puis chantait aussi que sa famille était plutôt euh, plutôt, il il préférait plutôt me laisser comprendre qu'il préférait ce qu'elle me dit, on ne sait pas qui c'est qu'on va avoir, elle me dit là au moins vous c'est une entreprise, tout ça c'est quand même plus rassurant. Donc tu vois, j'ai senti que j'avais finalement gagné la partie si tu veux. Je savais que c'était gagné, il fallait juste maintenant enfoncer le clou et, c c et que c'était bon si tu veux. Mais je savais toujours qu'il pouvait y avoir un revirement de situation, il fallait faire très attention. Donc du coup, je lui dis, bah, écoutez, moi de toute façon, je reste sur mon accord, hein, comme je vous ai dit, je vous verse un, un deuxième mois de dépôt de garantie comme c'était prévu. Par contre, j'ai juste eu un petit, une petite demande. Donc là, tu vois, finalement, je suis revenu sur ce que j'avais dit initialement. C'est là que je te voulais te faire comprendre que la négociation, tu peux être dans un sens, mais tu peux revenir aussi à un moment donné. En fonction de comment les... Tu vois, c'est quand même une partie d'échecs, en fonction de comment les pions sont avancés, bah, tu peux après peut-être faire une tu vois, prendre une variante, tu vois, si on prend les échecs, ça s'appelle des variantes, tu peux faire une petite variante légère. Et donc là, du coup, je lui dis, bah, écoutez, euh, moi, finalement, je pourrais pas... Euh, le prendre tout de suite, tout de suite, parce que derrière, euh, bah moi j'ai une impossibilité technique pour mettre ça en place, etc. Enfin bref, j'ai expliqué que moi j'étais pas disponible et que j'avais du mal à... Comment dirais-je, vu que, comment dirais-je, au départ, c'était ok, mais qu'entre temps, elle avait changé d'avis et qu'après, elle était revenue vers moi et s'est un peu de temps et que moi, du coup, mes plans avaient changé. Donc, je dis, maintenant, finalement, eh bien, euh, voilà, moi, je serai disponible que dans trois semaines. Donc, je pourrais réellement prendre la maison que dans trois semaines. Mais tu vois, eh ben, en fait, elle a accepté. C'est-à-dire que, euh, bah, au départ, c'était, j'en ai joué de ça, mais finalement, euh, vu qu'elle elle, m'avait choisi, je l'avais senti qu'elle m'avait choisi, eh bien, j'ai changé ce paramètre-là, qui, de toute manière, elle a compris ce que j'ai expliqué, les choses. Hein. C'est comme tout, quand, 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 quand tu euh, quand, quand en fait, tu prends la décision de faire quelque chose, il faut argumenter, faut toujours dire pourquoi tu fais ça. Si tu dis pas pourquoi tu fais ça, tu n'expliques pas aux gens, les gens ne comprennent pas. Euh, très important ça. Dans, dans tout la négociation, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu négocies tel prix Tu vois, quand, comme quand tu fais des négociations immobilières, c'est toujours argumenter pourquoi tu veux tel prix. Ben là, c'est la même chose. Je lui dis, écoutez, je ne peux pas parce que techniquement, on n'est pas prêt. Euh, J'étais prêt euh, auparavant, mais du coup, moi, j'ai changé mes plans. Et au final, eh bien, c'est vrai que là, euh, je vous le prends, c'est certain. Je vous, fais le, je vous envoie tout de suite deux mois de dépôt de garantie pour bloquer. Par contre, j'ai réellement commencé à prendre possession des lieux. On pourra réellement signer que dans. C'était pratiquement un mois finalement. Et ce qui, moi, m'a bah, laissé le temps de me réorganiser et de pouvoir commander le, tout le matériel qu'on avait de, nécessaire dans l'appartement. Sinon, ça laissait sous-entendre que bah, si j'étais resté sur, ma, sur, ma, comment sur mon argumentation initiale, eh bien, comprenait l'appartement immédiatement. Et donc, du coup, eh bien, ça, clairement, ça vient taper dans, dans ton BFR. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, du coup, c'est du cash flow en moins. Enfin, voilà. Là, c'est quand même. Euh, bon, même si j'étais prêt à le faire, au final, ça m'arrangeait bien dans ce sens-là, tu l'as bien compris. Tout ça parce que du coup, la négociation n'était pas vraiment terminée. Donc, tu vois, dans la négociation... Quand tu sens que tu as gagné, eh bien ensuite, essaie de retirer ça de ton côté pour que du coup tu puisses récupérer des avantages. C'est pareil quand tu récupères un logement, et c'est toujours de négocier que des choses soient euh, réparées ou soient, euh, comment dirais-je, embellies. Euh, tu dis bah écoutez euh, ça, euh, ça 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 me plaît pas vraiment. Est-ce que vous avez moyen de de changer Par exemple, ça peut être les sanitaires, ça peut être euh, la salle de bain. Toi, des petites améliorations. Est-ce que tu leur fais comprendre que toi derrière tu vas prendre un contrat sur trois ans et que derrière, bah, voilà, tu vas quand même euh, envoyer euh, tous les mois euh, de l'argent, etc. Donc en contrepartie, tu demandes quand même que voilà, ça soit euh, fait. Mais bien entendu, tout ça, tu ne le dis pas au départ. Parce qu'au départ, tu es vraiment en phase d'acquisition client. Une fois que tu l'as gagné, une fois que tu l'as commencé à le tirer vers toi, c'est là où tu vas commencer à, eh bien, à négocier ce que tu as besoin. Et bien entendu, ça ne se fait pas au départ. Donc tu vois que ça se fait vraiment en plusieurs étapes. Donc, tout ça, on en parle dans, euh, donc dans ma formation. Mais tu as bien compris qu'à travers cette vidéo, eh bien, euh, là, c'est un cas concret de moi ce qui m'est arrivé. Mais bien entendu, chaque cas est, est différent. Mais tu vois bien que même si la partie était perdue au départ, eh bien, au final, euh, la partie est devenue gagnée. Et en plus de ça, je l'ai réussi à la retirer de mon côté pas complètement, parce que j'ai quand même versé ces deux mois de dépôt de garantie, mais là, je ne pouvais pas non plus complètement revenir en arrière sur tout ce que j'avais dit, sinon je me décrédibilisais. Tu vois, à un moment donné, il y a aussi ta crédibilité. Mais tu vois bien que c'est des choses qui sont possibles, une négociation, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère franchement que cette vidéo elle a pu t'inspirer pour que toi aussi tu puisses lancer ta sous-location. Euh, très prochainement. Euh, sache que je publie d'autres vidéos sur euh, cette chaîne YouTube par rapport à la sous-location et tout ce qui est conciergerie Airbnb. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à suivre. N'hésite pas aussi à commenter. Si toi, tu as, euh, voilà, as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir y répondre. N'hésite pas aussi à la partager à tes amis ou les personnes qui font de la sous-location comme toi ou qui ont peut-être prévu de, 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 voilà, de, de se lancer dans ce type de business. Franchement, c'est un super business pour gagner de l'argent très facilement et très rapidement. Euh, voilà, du coup on a, on a terminé sur cette, euh, cette vidéo, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao